Bonjour à tous, ici c'est Barcilou qui continue la suite de ce tutoriel. Nous étions arrivés déjà au deuxième chapitre de l'initiation. Donc, qu'est-ce qu'il nous demande là ? Nous sommes prêts à accueillir les premiers habitants. Nous allons placer quelques parcelles où ils pourront construire des logements, comme nous l'avons vu dans les gestes de base. C'est pourquoi certaines richesses sont bloquées. Donc, là, il nous dit de poser quelques petites parcelles pour les travailleurs. Ils amorceront la pompe et trouveront du travail à la mairie et dans les bâtiments des services techniques. Ok. Donc, logement, c'est ce qu'on avait appris dans le premier chapitre de cette initiation. Construire des logements. Ok. On va construire des parcelles sur la ligne droite qui relie le monde extérieur à notre carte. C'est parti. Comme on l'a appris dans le premier chapitre. Qu'est-ce qu'il nous dit l'adjoint du maire ? Les premiers habitants arrivent, les logements se construisent et présentent des icônes vertes. On a bien travaillé, ce sera tout pour aujourd'hui, laissons les gens s'installer. Okay. Ah, le maire, qu'est-ce qu'il nous dit ? Bon, j'ai vérifié avec mon banquier. Il y avait une erreur sur les chiffres du devis qu'on me l'avait fait. J'avais pourtant vérifié. Ça ne m'étonne pas, vu les notes que vous aviez en maths à l'école. Et qu'est-ce que vous racontez ? Mes bulletins sont en lieu sûr. Et d'ailleurs, j'étais très bon élève en calcul. Enfin, presque. Oui, monsieur. Il les a jetés dans la poubelle hier soir. En parlant de mon élève, notre nouvelle recrue acquiert rapidement les connaissances nécessaires. Une nouvelle recrue, c'est moi, entre parenthèses. Nécessaire pour créer une ville. Nous allons bientôt pouvoir passer à la partie gestion. Oh, intéressant. Ok, bah ceci termine ce chapitre 2 de l'initiation. On a fait le chapitre 1, les gestes de base, et le chapitre 2, commencer une ville. Donc on va s'attaquer au chapitre 3, emploi et chômage. Je pense que ça va être plus difficile que les deux premiers. C'est une intuition, juste comme ça. Allez, c'est parti. Ah oui, entre parenthèses, j'ai mis ça n'a rien à voir avec... c'est le CityXL 2012, mais ça va voir quand même. Bon, j'ai mis à jour pilote de carte graphique parce que ça avait tendance le jeu à planter. Donc nouvelle mise à jour de chez Nvidia, normalement tout devrait rentrer dans l'ordre, parce que comme vous l'avez pu le constater dans la première vidéo, ça s'est arrêté abruptement. Ok, bon, qu'est-ce qu'il nous dit, monsieur le maire ? Mais qu'est-ce que vous avez fait ? Regardez le taux de chômage. Il est dangereusement haut. C'est une catastrophe. Il y a des jours où je me demande pourquoi je vous ai engagé. Et vos négociations pour une route au rabais ?
sachez que j'ai négocié 16% de réduction pour une future autoroute. Mais ne changez pas de sujet. Et le chômage alors? Que vais-je dire à toutes ces pauvres familles qui attendent qu'on leur fournisse du travail? Regardez vos emails. Je vous signale que j'ai déposé un permis de construire de zones industrielles sur votre bureau et qui n'attend que votre signature. Sinon, comment s'est passée votre matinée au golf? Paperasserie, bureaucrate... Ok, monsieur l'adjoint au maire nous dit que le chômage est une plaie qu'il faut absolument éviter. Heureusement, nous avons de quoi lutter contre, cliquez sur l'onglet population dans la barre du haut. Vous voyez, quand on zoome à un niveau intermédiaire, la circulation, notamment les voitures, sont représentées par des sortes de cubes. Donc là, toujours des cubes, et là, plus de détails. Mais par contre, le framerate souffre beaucoup. Bon, bref. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Cliquez, ouvrir le panneau population. Oh. Statistiques démographiques, on a une population totale de 1296 âmes. Emploi disponible, il y en a 16. Et où est-ce qu'il est le taux de chômage? Ah oui, d'accord, je vois tout de suite. Ça aurait dû me flasher là. 1296 personnes pour 8 emplois disponibles. Tu m'étonnes qu'il y ait du chômage. Ok. Notre première règle d'or, une ville ne se développe que si le chômage est bas. Il faut savoir qu'un habitant au chômage est un habitant mécontent. Lorsque le pourcentage de mécontents est trop élevé, la ville bâtit d'une mauvaise réputation. Et qui emménage dans une ville qui a mauvaise réputation? Personne. Maintenant, vérifions en détail les besoins des travailleurs. Ok. Donc, travailleurs. La situation générale, 60%. La situation est bonne, mais pourrait être meilleure. Ok. Le chômage des travailleurs atteint un seuil critique. Donc, ouais. Je suppose que les zones vertes, c'est quoi ça? C'est la mairie. Ça, c'est... c'est... faible transit des travailleurs. Ok. Notre ville compte deux zones résidentielles. Attendez que je zoome. Mais comment voir où se trouvent les chômeurs? Haha, bonne question. Donc il y a un menu à gauche et il y a un menu à droite. L'adjoint au maire nous indique à droite qu'il y a une série de boutons concernant des informations sur le chômage de la ville, économie, poste vacant. C'est vachement complet, hein. Donc les zones résidentielles sont colorées, donc les maisons vertes sont occupées par des habitants ayant un emploi, les rouges par les chômeurs. Ok. Donc
maintenant que l'on situe les chômeurs des travailleurs, on va pouvoir les aider. Cliquez à nouveau sur la vignette emploi pour masquer la fenêtre. Nous sommes prêts à créer des zones d'activité. Il y a plusieurs types de... Attendez. Poste vacant, emploi. Bon. Il nous dit qu'il y a plusieurs postes industriels, les industries et les bureaucrates, les bureaux. Et donc un budget plus important. On va créer des emplois dans l'industrie lourde. Donc on va les éloigner du centre-ville pour éviter la pollution. Donc on a cliqué sur industrie. Faible densité, industrie lourde, faible densité et... Pourquoi pas rectangulaire cette fois? Tiens, il y a un avion qui passe. On va le mettre au milieu. Ça y est, ça commence à bâtir. Voyons voir un peu près. Que... Et miracle. Ah d'accord, n'hésitez pas à vérifier, oui, on vérifie, j'avais pas compris, on vérifie si chacun trouvait son emploi. Aucun emploi disponible. La majorité de vos habitants. Aucun emploi disponible. Ah. Maintenant, il nous dit qu'il n'y a pas assez de logements. Donc, faut construire un magasin. Intelligemment, ouais, d'accord, oui. Donc le système de jeu ne présente pas de grande différence avec ce que j'ai déjà joué, notamment City Life. Il faut bien positionner ses magasins alimentaires pour satisfaire dans leurs zones respectives
le maximum d'habitations. Utilisez l'affichage dédié au magasin sur la droite de l'écran, cliquez sur le bouton satisfaction, puis la vignette magasin. Ok, en jaune. Le vert, c'est situation, c'est citoyen très satisfait. Ils sont bien approvisionnés et les couleurs rouges signifient pas du tout. C'est bien approvisionné. Et dans ce coin-là, ici, c'est pas du tout approvisionné. En cliquant à nouveau sur la vignette. Et on évoque les bâtiments. Ok. Magasin, faible densité, bâtiment bloqué. On va en construire un là. Attendre un peu pour que tout se mette en place. Ça y est. Clac, clac, clac. Ça y est. C'est approvisionné. Incroyable travail, j'ai toujours su que nous pouvions lui faire confiance. Pas vrai, Kevin? Kevin? C'est moi qui, qui parle. Ce n'est pas ce que vous disiez plus tôt. Enfin bref, vous avez raison, il est brillant et doué. Merci. D'un certain côté, il me fait penser à vous, monsieur le maire. Je ne sais pas si c'est un compliment. Vous n'exagérez rien lorsque j'avais son âge. Je possédais déjà une douzaine de villes. Et bien sûr, pour l'instant, il semblerait que notre protégé ait besoin d'une pause avant sa prochaine leçon. Il l'a bien mérité. Voilà. Donc, la conclusion, c'est que ce n'est pas très très difficile à comprendre, d'une part, et puis... c'est pas du tout technique. Le problème, c'est le développement de la ville. Passer d'une petite ville à une grosse métropole. Et bien, au départ, bien mettre les habitations, et puis les industries, les routes, pour que la ville puisse se développer. Donc on a fait les gestes de base, commencer une ville et emploi et chômage. Donc on va s'arrêter là je pense, mais encore, on va remettre à plus tard le chapitre 4 de l'initiation, la satisfaction des habitants. Ok, donc bon voilà, j'espère que vous avez ça vous a plu. Ça a l'air pas mal ce City Excel 2012. Il y a plein de fonctionnalités, pour l'instant ça me plaît. Je sais pas vous, mais moi ça me plaît. Allez, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien et salut.